Bonjour tout le monde, nouveau let's play sur Oxygen Not Included. Donc cette fois-ci on part, c'est sur la version bêta où vient de sortir l'automatisation. Et donc on recommence pour une nouvelle partie. Donc j'ai fait quelques petites parties avant, j'avais fait des trucs assez avancés. Alors, voyons nos trois premiers duplicants. Toi, athlétique, médecine, toi tu vas pas servir beaucoup. Oula. Alors. Par contre, toi, donc tu sais bien cuisiner, tu sais bien miner, la médecine c'est bon. Alors, réponse au stress, tu manges un peu plus, c'est pas très grave. Et tu t'augmentes de température quand tu es stressé. Rien de très grave. Toi, par contre, tu ne peux pas faire de la médecine, mais par contre, le reste, tu es très bien. Et quand tu es stressé, tu vomis. Donc ça, c'est pas un souci. Vous n'avez pas des attentes de décor énormes. Au niveau de la bouffe, rien de trop particulier. Alors toi par contre, déjà, décor, t'attends un décor pas trop mal. Et puis t'es anémique, donc t'es moins rapide. Donc on te change. Alors. Biohazard. Donc toi, t'as défense immunitaire faible. Donc non. Alors. J'ai changé parce qu'il ne pouvait pas faire de médecine. On veut pas un loot-spy, c'est un type qui dort bruyamment, donc il réveille tout le monde. Donc il faut prévoir dans l'organisation de la base, donc c'est pas forcément génial. Toi par contre, toi t'es athlétique, t'es bon en médecine, t'as un peu de force. Tu refuses de cuisiner, ça c'est pas très grave. Quand t'es énervé, tu hurles. Pas un souci, par contre t'as des petites attentes de décor. Bon, c'est pas grave, on va embarquer comme ça. Allez, allons-y. Donc, ok. Donc là on a de l'eau, là on a de l'eau, là on a tout ce qu'il faut au niveau cuivre, là on a de l'algue sans problème, on a de l'oxylite présent là, et là on a également de l'oxygène. Ok, alors tout de suite, on mine ici, sur 4 de haut, on va faire, on va faire pour l'instant jusqu'ici. Et c'est parti. Donc tout de suite, première chose que moi j'aime bien prévoir, on prévoit les toilettes. Et qui dit prévoir les toilettes, il faut qu'il se lave les mains avant. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je le mets sous la base comme ça. Voilà. Et là, on va prévoir les toilettes ici. Donc toilettes sèches. On fait comme ça. Là, ici, je pense que ça, on va l'utiliser après en gain technique. Bon, Bord, t'as vu le petit acte. Très grave. Et après, il va falloir qu'on aille ici. On va laisser l'eau là. Qu'est-ce qu'on va faire là? Après, on passe dans la chlorine. On a pas mal d'eau ici. Là, on a un gros truc avec pas mal d'oxygène. D'accord. On va peut-être mettre prendre de l'eau là. Alors, on va tout de suite prévoir ça. Donc, but. Voilà. Donc, ils peuvent monter un, deux cases, c'est pas un souci. Par contre, vu qu'ils vont aller à l'eau, je prévois ça pour que s'il y en a un qui vomit, ça ne rentre pas dans le réservoir. On va prévoir également la pompe à eau et également pour qu'il se lave les mains quand il rentre dans le coin. Voilà. Et également, il faut du coup qu'on pense à miner tout ceci. Donc ce que je fais, c'est que je vais mettre en priorité haute le sol ici. Comme ça fait que dès qu'ils ont possibilité de le construire, ils le construisent et ça évite que ça tombe dans l'eau. Alors ici, je veux que vous laviez les mains quand vous partiez sur la gauche. Je passe en vitesse un peu accélérée. Parce que le début, c'est toujours longuet. Ah merde, le con. Ça, on va déconstruire. Et on va tout de suite prévoir ça.
Voilà, donc les deux priorités quand vous commencez, c'est prévoir c'est l'eau et les toilettes. Parce que sinon, ils se pissent dessus ou autre, et il y a possibilité qu'ils se fassent sur, qu'ils contaminent l'eau qui pour l'instant n'a aucun germe dedans. Et là, pour l'instant, la seule source de germe qu'on a, c'est les toilettes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la priorité ici, ça c'est pas important. Pour l'instant, je joue pas sur les jobs, hein. Il faut qu'ils soient tous. Merde. Faut qu'ils soient tous bons et polyvalents. Pourquoi ils veulent absolument aller là? Pas très grave. Donc ils sont en train de construire. Ils sont en train de construire. Le lavabo est fait. Par contre. Voilà. Et donc là, vous allez y aller quand vous allez aller à l'eau pour vous laver les mains. Bah ici, on va continuer, hein. On continue et puis on verra. Je pense que pour l'instant, on va pas aller tout de suite plus loin. Mais au moins, comme ça, le passage sera ouvert. De toute façon, ça, c'est pour l'instant, c'est que des réservoirs provisoires. À terme, ça sera, tout sera changé. Vous en profitez, on va. D'accord. Donc là on est bon, là on est bon. Bah, alors maintenant il va nous falloir du métal. Donc ici on va. Donc toujours on fait des trucs de 4 de hauteur à peu près. Ce 4 de hauteur ça permet d'avoir de mettre à peu près ce qu'on veut en. Ce qu'on veut, merde. On peut mettre quelque chose au sol et après on peut mettre des tableaux pour la déco. Parce que la déco est très importante. 1, 2. Voilà, toujours pareil, pas grave, je fais pas droit, on va annuler ici. Alors, ça c'est le début. Là on a encore de l'eau, donc ça on va pouvoir le garder. Ensuite, ce qu'il va falloir qu'on s'occupe, c'est de la nour ça va être de l'électricité et de la nourriture. Ça, je vais essayer de le garder en ce que j'appellerais en gaine technique, hein, pour faire monter après de l'eau, etc., etc. Alors, l'idée c'est que je vais pouvoir mettre 1, 2, 3, 4 batteries, 2 roues. Merde. Oula. J'ai été trop loin. Voilà. Alors. Merde. Oh, ça a pas pris. Ah mais non, je suis en. Voilà. C'est comme j'étais en carte électrique, ça ne se pouvait supprimer que. Je pouvais supprimer que. Donc là. Ça va être l'objectif. Donc on fait comme ça, 4 de hauteur. Très bien. Ça, tout ça, vous allez me le miner. Ça également. Ça également. Et également ceci. Et ce qu'on va faire, on va faire ceci. Et vous n'allez pas me construire ceci pour le moment, on le rajoutera après. J'ai juste marqué le lien là. Et donc, on va prévoir une batterie. La roue de hamster pour qu'il puisse produire de l'électricité. On sauvegarde quand même l'eau, hein. Et en plus, ce problème, c'est que s'ils vont dans l'eau, ils perdent en température et après ils peuvent être malades, etc.
Donc les petits attaches hein, qui mangent n'importe quoi et qui en fait qui recrachent du charbon. Une fois que ça sera fait, on va passer le câble ici comme ça et station de recherche, ouais, on va mettre ici. Donc ça c'est l'oxylite, on va éviter de le prendre. Par contre, le reste, priorité plus élevée. Et surtout, ça c'est absolument pas important. Ça l'est un poil plus, mais réellement un poil. Donc là on reprend, on absorbe, voilà, Blossom Seed. Alors ensuite on fera les lits à l'étage. On va laisser après au moins un étage en plus. On prévoit également tout de suite la recherche. Donc là au niveau de la recherche, ce qu'on va tout de suite faire, ça va être les fermes pour pouvoir avoir de la nourriture un peu mieux que la daube sur qu'on peut faire là le c'est au food. Donc food pour l'instant on va le mettre, on le mettra là. Mais enfin c'est les trucs, en gros c'est la bactérie sur du sable. Hein. Pas forcément génial. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va passer en 6 ceci. Parce qu'en fait sinon quand ils vont chercher du cuivre, ils sont obligés de passer par là, de faire tout le détour. Comme ça, ils pourront passer par en bas. Voilà. Allez, on va réaccélérer un petit peu, on va accélérer en plus. C'est la nuit. Ça aussi, vous allez le récupérer. Également. À terme, de toute façon, on va remonter là. On va remonter là. Et là, on a encore une bonne réserve d'eau. Là, en plus, on a des petites lucioles. Ça veut dire que là ça va être le plafond hein. Toujours 4 hein. On prévoit les travaux d'avance. Je pense pas qu'on ira si haut que ça, mais voilà, moi c'est prévu. Donc allez, roue d'hamster pour l'électricité. Par contre, je pense qu'au niveau oxygène, on commence à être. Ouais, bon, c'est normal, hein, c'est le bas. C'est le bas. Ce qu'on peut faire, on va en profiter, on va ouvrir ici pour en fait faire un puits de carbone. Puisque le CO2 est plus lourd dans ce jeu que l'oxygène. Hein. Ce qui est normal au vu de la molécule. Parce que vous avez un atome de carbone en plus. De toute façon, on ira plus bas, ça c'est clair et net. Non, la base, elle ira, je pense, au moins d'ici, sûrement jusqu'à très en haut là-haut. Voilà, donc, l'avantage c'est que c'était du vide, donc c'est petit à petit en train de se remplir. Donc en train de faire absorber tout le carbone, du coup. Alors en fait, la raison pour laquelle j'ai pas utilisé ce réservoir-là comme réservoir d'eau, c'est qu'il est petit. Après, là, on commence à être dans le slime.
Alors, nouveau duplicant biohazard, donc non. Toi, tu bouffes, tu manges plus si tu veux pas faire de recherche. Par contre, un gros mot en jeu. Par contre, ouais, par contre, toi, t'es un destructeur. Alors, t'es un destructeur, mais le problème, c'est que t'as une bonne attente du décor, donc zéro. Donc, ça va pas être possible. Par contre, toi, par contre, t'as un biohazard, mais en même temps, t'as une très bonne immunité. Donc l'un, en fait, l'un compense tout, donc en fait, t'es juste une vomisseuse. Et en plus, donc t'as plus 5 en médecine, et surtout, tu ne peux pas avoir de diarrhée grâce à ton estomac d'acier. Et bah, du coup, on va te prendre toi. Donc toujours pareil, pour l'instant, je laisse les... comme la base n'est pas trop grande, que les jobs sont relativement simples, on va dire, je les laisse tous faire ce qui... je leur laisse tous tout faire. Pinceau, on va laisser ouvert ceci comme ça. Alors, là on est bon. Je pense qu'on ira juste, fera juste un étage de plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je mets le stockage? On va mettre du stockage là. Pour pouvoir ramasser tout le bordel. Voilà. Donc, tu acceptes tout sauf l'organique. Toi, alors, on va laisser comme ça, puis après on fera un copier-coller. Parce que toi, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, donc ça va. Là, on est bon, là, on est bon. Tout ça, on prend, ça aussi, on prend. Voilà. Et toi aussi, tu acceptes tout. Voilà. Tu acceptes tout au niveau aliment. Donc là, ils vont nettoyer comme des fous. Alors dans ces cas-là, vu qu'ils nettoient comme des fous, on va retirer le boulon. On va juste laisser à Max la possibilité de nettoyer. Comme ça permet que les autres avancent sur les boulots de construction. Ensuite, on va prévoir tout de suite les dortoirs. Le dortoir, il ne faut pas qu'on le mette trop loin non plus. Donc on va le mettre par ici. On laisse toujours 2 d'écart par rapport à l'échelle. Et là, on est bon. Parce qu'à terme, il va y avoir une autre échelle ici. Donc je regardais, hein, le seul intérêt des portes pneumatiques en fait, c'est que ça évite aux créatures de pouvoir passer à travers. Donc là, ça c'est fait. Donc là, on a eu la recherche. Alors ensuite, de toute façon, il va falloir tout faire. Alors moi, ce que j'aime bien faire ensuite, et en fait, je m'embête pas, je fais la recherche avancée. Comme ça, on construit la station de recherche avancée, et après, on peut tout faire sans problème. Du coup, vu qu'on a fait ça, on va avoir accès à la nourriture. Alors à la nourriture, on va mettre 2 pots ici. Et niveau énergie, de toute façon, il va falloir prévoir en donner un endroit plutôt chaud. De toute façon, tout est chaud. Donc plutôt quasiment mettre en fait la bouffe ici en haut. Voilà. Pour l'instant. Ça c'est comme au niveau oxygène, ouais, c'est pas génial. Sinon, on va ce qu'on va faire plutôt. On va faire un truc provisoire ici. De toute façon, par contre, ça va être qu'avec des pots de nourriture, donc pas très grave. Donc du coup, ceci en haut, c'est devenu nettement moins prioritaire. Il vous faut 4 lits. Une fois que les 4 lits sont faits, on repasse en priorité 3 pour tout ça.
Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on prévoit tout de suite les tâches d'en dessous. 1, 2, 3, 4. Voilà. À terme, il y aura l'échelle qui passera ici. On pourrait que ça va être mal aéré, mais c'est pas très grave. Compost, pas très. Alors, voilà. L'avantage, en fait, est ici. Ça consomme de l'eau. Mais surtout, le problème, en fait, c'est que ça a besoin de lumière. Et l'avantage, c'est quand vous mettez ça vers la porte, c'est que c'est le seul endroit où il y a de la lumière. Voilà. Pour ça que j'avais laissé un espace ici. Et on va en profiter pour un peu recycler le CO2. Ici. Ils peuvent pas parce que forcément. Allez, vous virez ça en priorité. Donc, ouais, par contre, ça va. Attendez, déconstruire. Vous allez me faire parce que là, il y a l'autre, le. Les putain, il y a les deux. Il y a deux hatches de ce côté-là. Ça va pas aller là. Si sinon, ils vont bouffer la bouffe qui va apparaître en fait. Allez. Pas du tout fait gaffe. Donc, la nourriture, on va refaire ici. Pas très grave. Sinon, pour l'instant, c'est réellement du provisoire. C'est juste des pots de fleurs qu'on met. Donc, ça c'est fait, ça c'est fait. La station c'est en train d'arriver. Ce qu'il faut qu'on prévoie tout de suite, par contre, c'est une station de massage. Si jamais il commence à péter des câbles. Donc, station de massage, ça donne un malus de décor ou pas? Non. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on la mettra par ici. On va tout de suite prévoir le câble. Et surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais prévoir. Le seul intérêt de faire ça, c'est de pouvoir me bloquer en fait. Bloquer les endroits et surtout en fait bloquer la vue pour le passage des câbles et des câbles du réseau électrique. Donc, c'est vraiment en prévision du. Voilà. Donc. Les millwood, le on plante le millwood qui a toujours un look assez particulier. Donc la recherche on est bon, donc la recherche on a fait, on a le super computer, on va le construire tout de suite et on prévoit directement à côté la table de massage. Ici. Par contre, je pense qu'au niveau oxygène, quand on regarde les rapports, donc on regarde hier, on va regarder hier. Oula, oui. Oui, allez. On est parti. Donc, oxygène. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre un ici. Et l'idéal, ça serait un ici. Un ici, par contre, toujours pareil pour limiter les dégâts. Voilà. Ah merde, je suis planté, j'ai fait un étage trop haut là. Pas très grave. On peut faire ceci, comme ça, pour reconstruire le côté là. Donc, par rapport à ici, on va copier. Voilà. Ici, on a notre plante qui extrait sans souci. On va ouvrir comme ça. En plus, ça y a et du charbon ici. Merde. Et du cuivre. Bon, l'idéal, ça serait de fermer, mais au moins. Donc, tout à l'instant, on n'a pas besoin. Il est en place. Hein. Le but, c'est qu'il soit en place et qu'on l'allume quand on en aura besoin. On la recherche, on a terminé. Donc, au niveau de la recherche, maintenant, on n'est plus limité. Hein. Je peux aller jusqu'au bout, il n'y a plus de problème. Ce qu'il va nous falloir, c'est qu'on va tout de suite prévoir. Il va nous falloir de quoi pomper. Donc, on va faire ceci. Et ensuite, on ira jusqu'à ici.
Ou alors je fais tout de suite les fermes. Non, les fermes ça va être trop tôt. On va faire d'abord les grosses batteries. Parce que l'idée ça va être d'installer une grosse batterie ici en plus. Et de virer les deux batteries. Et de virer les deux batteries. Les deux petites batteries. Alors, voilà, ça va déjà être le bordel. Je pense qu'il y en a un qui a dû vomir, un truc comme ça. Bon, par contre, niveau nourriture, on va être juste. Alors, nouveau duplicant. Alors, nouveau duplicant, donc déjà on prend pas le premier, il est anémique. Donc ça fait qu'il court 50% moins vite. On sent dire que c'est catastrophique, même s'il a des stats intéressantes, hein, puisqu'il attend rien du décor et rien au niveau de la bouffe, mais bon. Ensuite, l'hôte, t'es un vomisseur, t'apprends vite, tu cours plus ou moins vite et t'es bien niveau immunité. Ce qui peut valoir le coup au début. Toi, par contre, c'est juste que tu consommes plus d'air. Et par contre, toi, t'as plus de le matin. Mais on va te prendre toi. En plus, toi, t'attends moins du décor que Stinky. Voilà. Et sur ce, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous dis salut tout le monde. À une prochaine fois pour un autre épisode sur Oxygen Not Included avec l'update d'automatisation. Salut tout le monde.